Valentine Plafon et Cassia Libonner qui n'accélèrent plus, sorti bientôt du tournant. Utopkin qui a pris l'avantage, mais attention à Rubin Herpec qui est lancé maintenant avec Saphir Le Morge. Utopkin et Rubin Herpec qui vont lutter avec Saphir Le Morge. Rubin Herpec qui vont lutter, Utopkin qui repart pour l'instant. Utopkin, Rubin Herpec, Saphir Le Morge. Utopkin qui est pour l'instant, 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 Franck, Utoki, la dernière fois il avait un petit peu annoncé la couleur. Bah, la dernière fois c'était déjà beaucoup mieux dans les centres, il aurait pas été loin, il était gêné en montant et d'après Damien qui est monté ce jour-là, il a dit que le chat était vraiment bien. Et il s'est pas trompé, le chat il est revenu au top. Voilà, c'est dommage que ce soit la fin du meeting pour lui, parce que le chat est vraiment bien. T'as eu un petit moment de sursis parce qu'au premier départ, t'étais dedans. Ouais, au premier départ, j'étais partout galop, mais j'avais réussi à le rechoper quand même. Bon, après, bah, j'ai fait bien un peu plus attention. Mais, bon, c'est un chat quand il reste un petit peu spécial, mais c'est un chat qui a un bon moteur. Quand il est bien comme ça, c'est un bon chat quand même. Ouais, quand t'es venu en haut de la montée, on a senti que la différence était faite. Bah ouais, j'étais surpris. D'habitude, quand on sortait, souvent il restait un peu là. Puis là, j'étais au-dessus du lot. Quoi. Quand j'ai écarté, j'étais vraiment facile. Non, il l'a fait vraiment facilement. Hein.